Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un tu préfères spécial 3 marque sur Fortnite. Donc c'est parti, let's go. C'est une map qui a été faite par qui ça? Qui a été faite par Hugo Bertin. Donc on lance le jeu, let's go. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu en attendant, ça fait toujours plaisir. Donc là, il fait un tu préfères un spécial Fortnite, un tu préfères deux spécial Fortnite. Ok, là c'est un tu préfères 3 spécial marque. Du coup, ça commence directement avec un tu préfères spécial BMW ou Audi. Honnêtement, j'aime bien les deux marques. Parce que c'est qu'Audi, t'as les RS6 et t'as les Q7, Q5, etc. que j'aime beaucoup. Et d'un côté, BMW, tu vois, j'aime bien aussi, mais je sais pas. En fait, Audi, les voitures, je trouve que ça fait un peu trop kéké. La marque Audi est un peu trop représentée comme kéké. Et BMW, il y a. Ah putain. En vrai, j'ai envie de dire BMW, vous voyez, mais. Putain, les R6, enfin, genre, ouais, Audi R6, etc. Même les Q7 et tout, sont vraiment belles. Tu préfères iPhone ou Samsung? Donc, faut savoir que j'ai jamais eu d'iPhone, j'ai jamais eu de Samsung. Moi, je suis team Honor, les gars. Même si là, avec Google, je verrai si je change ou pas. Mais en tout cas, en ce moment, je suis team Honor et ça fait 2 ans et demi que je l'ai. J'en suis très content. Du coup, voilà. Mais sinon, je préfère quand même largement iPhone. Hein. J'ai eu un iPad et clairement, franchement, iPhone pour moi, c'est super à Samsung. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous avez quoi comme téléphone? iPhone, Samsung, y a quoi d'autre? Sony, HTC. Et encore, attends. Ah ouais, Huawei. En vrai, Huawei, je pense qu'il y en a pas mal qui l'ont. Tu préfères Razer ou Logitech? Razer, j'ai jamais testé pour le coup. Jamais testé de produit Razer. Pourquoi, je ne sais pas. Mais Logitech, bah, j'ai mes deux webcams Logitech, ma souris Logitech, et c'est déjà pas mal. Tu préfères Sony ou Microsoft? En gros, PS4 ou la Microsoft, je pense, c'est Xbox. Hein. Donc, en vrai, moi, j'ai jamais eu de console. Enfin, j'ai jamais eu de console à part la Wii. Donc, je dis, en vrai, là, je dirais Sony, parce qu'une fois, j'ai eu un téléphone Sony. Voilà, donc, bon. Mais j'ai pas forcément d'affinité plus avec une marque que l'autre. Tu préfères Twitch ou YouTube? Ah, la question. Tu préfères. Si tu devais choisir vraiment un seul truc, je dirais YouTube quand même. YouTube, pour moi, c'est fait pour les vidéos, Twitch pour les lives, tu vois. Et c'est pas tout à fait pareil. Pour moi, ils auraient dû mettre YouTube ou Dailymotion ou Twitch ou Mixer, tu vois, parce que YouTube et Twitch, c'est pas tout à fait la même chose. YouTube, tu peux retrouver des lives, mais ça reste quand même bien sur Twitch. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Twitch, les potes. La chaîne est en description. Go follow la chaîne Twitch, ça fait toujours plaisir. Et je suis en live tous les jours, donc voilà, n'hésitez pas. Je dirais YouTube parce que c'est vrai que sur Twitch, il manque un peu de diversité. Il y a, par exemple, ce qu'on a. En fait, vu qu'il n'y a pas de montage, c'est très compliqué de faire des trop grosses émissions. Tu vois, il commence à y avoir des trucs comme Popcorn, la ZD20, etc. Mais ça reste compliqué à faire. Et du coup, bah, je trouve que tu es limité en diversité sur Twitch. Alors que YouTube, bah, vu que tu peux faire du montage, et puis il y a tellement plus de monde sur YouTube qu'il y a beaucoup plus de diversité. C'est vrai que YouTube, je préférerais si j'avais vraiment. Si on me disait vraiment, tu choisis. Soit tu supprimes YouTube, soit tu supprimes Twitch. YouTube. Après, moi j'aime bien interagir avec le streamer, donc Twitch j'aime beaucoup aussi. Mais je vais quand même dire YouTube parce que j'ai quand même passe pas mal de temps. Tu préfères McDo ou Burger King? Alors, McDo, faut savoir que je suis un grand fan de McDo. Et Burger King, malheureusement, j'en ai pas à côté de chez moi. Faut que je fasse quand même. Faut que je prenne la voiture, donc j'avoue que je suis allé qu'une seule fois dans ma vie. Et j'ai goûté 3 burgers, ils étaient bons. Mais un peu trop de sauce à mon goût, vous voyez. Mais le problème, c'est que j'ai pas assez jugé Burger King et McDo parce que j'en ai mangé depuis longtemps. Tu préfères Carrefour ou Super U? Alors honnêtement, j'ai jamais compris la différence entre Super U, Carrefour, Intermarché. Pour moi, c'est des supermarchés ou des hypermarchés, comme vous voulez. J'ai jamais compris la différence. Donc là, ni l'un ni l'autre. Tu préfères Cdiscount ou Amazon? Ben, Cdiscount, j'ai jamais commandé Amazon. En vrai, ça m'arrive souvent de commander. Donc voilà. Tu peux faire Uber Eats ou Deliveroo. Donc c'est pareil. Uber Eats, j'utilise de temps en temps. D'ailleurs, mon code Uber Eats sera dans la description. S'il y en a qui veulent commander un petit truc à manger, vous aurez 5 ou 10 euros offerts avec mon code pour votre première commande. Voilà, c'est gratuit et ça fait plaisir pour ceux que ça intéresse. Et Deliveroo, jamais testé pour le coup. Donc voilà. Donc je dirais Uber Eats. Tu préfères Iced Tea ou Coca-Cola? Faut savoir un truc, les gars. Donc ça, je sais pas si vous le savez. C'est que par an, je dois boire 10 litres de soda. Vraiment 10 litres et encore 10 litres. Je suis vraiment généreux, je pense. Parce que je sais pas, je bois jamais de soda, je bois quasiment que de l'eau tout le temps. L'Ice Tea, je suis pas un grand fan d'Ice Tea, j'avoue, j'aime pas trop ça. Et Coca, ça dépend, des fois je trouve ça un poil trop sucré. Je dirais quand même Coca, parce que c'est vrai qu'un Coca bien frais là, en été, c'est toujours agréable. Mais comme je dis, je suis pas très soda. En fait, j'aime bien, mais ça me dégoûte vite quoi. Tu préfères Instagram ou Snapchat? Tu m'aurais dit ça il y a 5 ans, j'aurais dit Snap et Instagram, à ma grande stupéfaction. J'aime vraiment, tu vois. Alors qu'au début, quand Instagram ont mis les stories, j'étais en mode Instagram, les stories, pourquoi ils ont fait ça? Ça sert à rien, tu vois. Alors qu'au final, Instagram, en fait, c'est là où je regarde tout le temps, quoi. T'as les photos, t'as les stories, t'as un petit peu ce que fait tout le monde. En fait, t'as tout en un, quoi.
Tu peux faire KFC ou Quick. Alors KFC, j'ai mangé une fois aussi. Et Quick, j'ai mangé quelques fois. Et KFC quand même, KFC. Tu préfères Audi ou Mercedes? Mercedes. Mercedes, tu vois, c'est... Je trouve c'est plus une... C'est une marque quand même qui est plus réputée. Tu vois, t'as une Mercedes. Ça fait plus... C'est un petit peu chef d'entreprise, chef d'affaires, etc. Tu vois. Audi, j'ai dit, ça fait un... c'est un peu la voiture de kéké, Audi. Tu préfères Nike ou Adidas? Franchement, je porte pas de Nike et d'Adidas, en vrai. Des fois... Adidas, en vrai, je vais dire Nike, parce qu'Adidas, j'ai été déçu d'être quelques fois sur des chaussures. Mais j'en ai jamais... En vrai, j'en ai jamais porté. Je dis Nike, mais j'en ai porté une seule fois. Genre, j'ai un short Adidas, il fait très bien le taf, tu vois. Genre, un Nike et Adidas, pour moi, c'est... Ouais, je sais pas, je porte pas ces marques-là. Tu préfères Orangina ou Fanta? Ah, clairement, Orangina. Avec la pulpe et tout, j'aime bien, ouais. Tu préfères Milka ou Kinder? Là, sans hésitation. Eh ben non. Milka. Milka, en vrai... C'est Milka, quoi. Genre, Milka, putain, les chocolats. Mais après, Kinder surprise. Kinder Bueno. Oh non, Kinder. Trop de... Kinder, il y a des trucs, c'est un... Vraiment. Oh là là, Kinder, t'as des chocolats, là. Rien que d'y penser, là. Vraiment insane. Tu préfères les Lego ou les Playmobil? Attends, les Lego, c'est quand tu construis. Les Playmobil, c'est déjà construit. Je t'avoue que les Playmobil, c'est pas trop mon truc, quoi. Moi, j'aime bien construire. Et je sais pas... Je trouve ça tellement mieux, tu vois, de construire. Genre, t'as un tas de briques au début, et à la fin, ça te fait des voitures et tout. Je trouve ça tellement mieux, mec. Donc, je dirais Lego. Tu préfères Mars ou Twix? Ni l'un ni l'autre. Je préfère des sneakers glacés. Oh là là, c'est incroyable. C'est trop, trop bon. J'adore la cacahuète et tout. C'est trop, trop bon. Mais, faut choisir entre Mars et Twix. Je dirais quand même Twix parce qu'il y a du croquant, tu vois. Alors que Mars, il y a que du caramel et pas de croquant. Alors que Twix, bah, il y a du caramel et en plus du croquant. Et j'aime bien le croquant. Du coup, je dirais quand même le Twix. Tu préfères Google Chrome ou Mozilla? Bah, d'un côté, soit t'as un mec, enfin un mec, apparemment un mec, mais une plateforme un peu où ça te vole tes données et d'un côté, c'est un peu plus safe. Mais c'est vrai que des, encore les extensions, plus maintenant, mais moi, tu vois, j'utilisais Firefox depuis vraiment longtemps. Donc comme vous le voyez, je l'ai plus. Je crois que je l'ai peut-être sur mon bureau, mais je l'utilise pas. J'utilise tout le temps Chrome. Ça va quand même un peu plus vite. Je trouve que c'est plus agréable. Mais c'est vrai qu'au collège, je crois qu'il y a que Firefox. Hein, je crois. Dites-moi, mais il me semble qu'au collège, j'utilisais full Firefox. Et du coup, je l'avais avant, mais je sais pas. J'ai dû désinstaller et puis Chrome quand même. Chrome. Tu préfères Peugeot ou Renault? Peugeot ou Renault? En vrai, je vais dire Renault parce que j'ai une Clio 3. Elle fait le taf. Mais en soi, je n'en préfère pas l'une à l'autre, quoi. C'est deux marques, comment dire, c'est deux marques bas de gamme, quoi. Hein. Genre, c'est bas de gamme de la... En vrai, je sais pas si c'est bas de gamme de la voiture. Ouais, t'as de l'autre... Ouais, c'est Renault Peugeot, quoi. Enfin, je sais pas comment expliquer. Tu vois, c'est pas Mercedes BMW non plus. Mais Peugeot, ouais, je dirais quand même Renault. Alors, tu préfères Europa Park ou Disneyland? Alors, Europa Park, je crois que c'est en Allemagne, si je me trompe pas. Jamais trop vu ce que c'était. Je crois que c'est un parc d'attraction. Je vais pas vous mentir, je connais pas trop, hein. Et j'ai jamais trop vu, jamais, j'y suis jamais allé, donc je peux pas savoir, tu vois. Et Disneyland, c'est vrai que, bah, c'est, tu vois, je pense que quand t'es gamin et que tu vas une fois dans ta vie, je pense que tu t'en rappelles, et moi je me rappelle. Après, quand t'as des enfants, Disneyland, ça doit vraiment être incroyable pour le coup. Vraiment, si t'as des enfants, je pense que Disneyland, c'est le top. Après, Europa Park, c'est peut-être insane, je sais pas. Franchement, je dirais Disneyland parce que je suis jamais allé à Europa Park. Tu vas faire les Pringles ou les Lay's? Ah, les Pringles, quand même. Ah, les Pringles, hein. Ah, j'adore. Lay's, tu vois, c'est... Toi, tu peux acheter d'autres marques de Lay's. Il y en a plein, des marques de chips. Tu vois, Pringles, c'est pas... J'ai l'impression que c'est autre chose, quoi. Et puis moi, j'aime bien. Alors, tu préfères Ikea ou Conforama? Conforama, j'ai acheté aucun meuble à Conforama. Alors qu'Ikea, j'ai acheté tout mon setup. Donc, clairement, Ikea, avec leur nom de table bizarre. Alors, tu préfères Flunch ou Subway? Alors, Flunch, j'y suis allé une fois, je crois, ou deux. Et Subway, j'y suis jamais allé. Alors, Subway, je sais pas... J'entends beaucoup de surcoté, j'entends beaucoup de... Bah, c'est un sandwich avec du maïs et tu payes ça 7€. Il faudrait que j'y aille, que je me fasse mon propre avis. Après le confinement, peut-être que je prenne une vidéo de dégustation Subway, je verrai ça. Mais ouais, surtout Subway, en vrai, c'est pas mal, il faudrait que je teste. N'hésitez pas à me dire, mais... Là, en vrai, qu'est-ce que je dis? Bon, je vais dire Flunch, mais Subway, j'aimerais bien tester, honnêtement. Tu préfères Free ou SFR? Honnêtement, Free... J'entends que du mal. Surtout en plein confinement, je pense à vous les gars, ceux qui ont Free. Je sais que c'est très compliqué. SFR, perso, moi j'ai un forfait téléphone. Je parle pas en tant que Livebox ou Fibre. Je parle vraiment en tant que forfait téléphone. 5€, 20 Go. Ça fait clairement le taf. En campagne, peu importe n'importe où, ça passe super bien. Donc moi je vais clairement dire SFR. J'ai eu zéro problème.
tu préfères TF1 ou M6? Et ben, c'est ce que je veux dire, les gars. TF1, je regarde, déjà, je regarde pas la télé. Donc, d'un côté, ce truc que je regarde, c'est soit L'Amour est dans le Pré, soit Koh-Lanta. Et honnêtement, Koh-Lanta, c'est. Mais alors, le... j'adore. Franchement, Koh-Lanta, je dirais pas que je suis un fanboy, mais je surkiffe. Donc, clairement, TF1, juste... t'enlèves Koh-Lanta de TF1, j'aurais pris M6. Hein. Donc, Koh-Lanta, rien que pour TF1, pour Koh-Lanta. Tu préfères Evian ou Volvic? Bon, pour ceux qui savent. Pour... Putain, putain, je ne sais pas parler, moi, parce que je n'ai pas écrit le clip. Bon. Du coup, Volvic, je dirais Volvic parce que moi j'habite en Auvergne, à Clermont-Ferrand. Et quand tu habites voilà, en Auvergne, à Clermont-Ferrand, bah, c'est à côté de Volvic et tu as de la Volvic dans les robinets, ce qui peut arriver. Enfin, c'est de la source Volvic. Et moi j'ai toujours bu de la Volvic. Et du coup, moi je bois au robinet. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais l'eau au robinet chez nous est juste trop bonne. Genre, tu me donnes de l'eau en bouteille, tu me donnes de l'eau du robinet. Je pense que j'aurais vraiment du mal à faire une différence entre les deux, tu vois. Vraiment, vraiment du mal. Alors, tu fais un Netflix ou Disney Plus? Disney+, jamais regardé, et Netflix, j'ai regardé une seule fois. Et je dirais Netflix, mais là, en vrai, j'ai jamais regardé ni l'un ni l'autre. Putain, mais c'est long, en vrai. Tu préfères Sony ou Nintendo? Oh, bah, Nintendo, mec. Oh, mais Nintendo, tellement, mec. J'ai eu la Wii, j'ai eu la Nintendo DS, maintenant, il y a la Switch et tout. Bref, franchement, Nintendo. Du coup, c'est la fin, les gars. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur Twitter, et mon Instagram est aussi en description. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. D'ailleurs, merci à tous ceux qui mettent mon code créateur en ce moment, ça fait extrêmement plaisir. On est monté de fou en soutien. Donc merci beaucoup à vous. N'oubliez pas, la chaîne Twitch est en description. C'était Cocteau. Ciao.